I see ops on a scope. Des slameuses, des Carlos et tout qui ont aucun rythme dans leur musique. Stream le son. Tous les mecs qui mettent de l'autotune sur la drill, je vous baise vos mères, bande de fils de pute. Mentalité londonienne. La drill c'est notre vie, la drill c'est notre background, c'est notre story. On fait pas d'univers. J'ai une histoire, j'ai un background. La guerre en crée massacre, je m'enfume le crâne, je suis la massa. On monte assise dans le A4, je te stab en vif, on te revoit pas. 410 street, on est bien, là j'encule la mère, la sœur, celle de taille. 410 street dans le bat, 4 on baisse les coffres, la vie, tu sais au sac. Quand on recule le SA, label de pute, pas des braves. Tous tes artistes sous un drap, j't'enlève la vie ou un pas. Opinion douce pour les braves, j't'enlève la vie pour une paye. Tu calmes plus vite que la reine des abeilles. Mélange de tisse dans ma taille. Je me déplace, ça passe sans qu'un appel. J'entends la mort qui me chuchote. Fais l'or du sale, c'est des salopes. Fais pas le gros, si gratte tes allocs. Je t'arrache la gorge comme une tapote. Wow, c'est les 410 fils de pute, là je suis avec tous mes boys. Oh ouais, 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 410, ouais, 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 voilà, voilà, tu me connais, moi, cagoule blanche, Ghostface et Largo, fils de pute, on est là pour répondre à tes questions. De quoi? Quelles sont vos influences musicales? C'est la drill, tu connais, c'est la drill. Moi, j'écoute un peu tout la drill UK, la drill US, tout m'inspire. Tu connais. Après, il y a mes boys, je sais pas ce qu'ils en pensent. Moi, UK drill, boy, tu connais. UK drill, loin devant tout. Ça change pas, mange que ça, que de la UK drill. C'est la mentalité en anglais, c'est chez nous. Eh, nous, on mange tout ce qui vient de chez nous, full drill. Comment avez-vous trouvé votre nom, du coup? C'est les grands à Londres, nous, on récupère, t'as vu, on représente un peu. C'est des trucs qu'on peut pas forcément le dire, tu connais. C'est des trucs, c'est précis, c'est codé, c'est machin, c'est... Tu connais. Trop sombre, c'est trop sombre. On va pas en parler, c'est 410 street. Cherchez pas à comprendre, on est là, on revendique. Ah, voilà, top, clairement. Ops, on vient de London, Salon. De Brixton, jusqu'ici, Los Santos. Pour exploser vos enceintes, exploser vos oreilles. Que de la drill, ma gueule. Quand on dit 410, y'a que 410, y'a rien d'autre. Cherche pas à comprendre. Et comment, avec quel artiste voudriez-vous collaborer? Est-ce qu'il y a un artiste avec qui vous voudriez collaborer? En ville? Oui, oui, dites-moi. En ville, y'a des artistes en ville? C'est quoi, c'est quoi là, présent c'est... Moi, je vois que des slameurs en ville, alors, c'est tout. Pour l'instant, en ville, je vais pas te mentir, que des chanteuses, des slameuses, des Carlos et tout qui ont aucun rythme dans leur musique. Je vais pas te mentir, ça donne pas envie de collaborer. Par contre, si je peux lâcher un petit SO pour les mecs qui font de la drill comme Kildiak de Forum, il a toute la ce fort que je peux lui donner. Et quand tu veux le feat. Sinon, pour ma part, non, y'a personne. Hein. Que mes gars de la 410, c'est où ou rien. On s'en bat les couilles des autres, ils ont rien à nous apporter. On les baise, c'est tout. On fait pas de la Zumba ici. Que des mecs sombres, la rue la vraie. Rangez votre grille latino là, rangez vos boulets. Autant toi qui sort tes sons, on va faire du zouk. Et parler. Moi t'as vu, je passe un message en balle, face caméra là, tous les mecs qui mettent de l'autotune sur la drill. Je vous baise vos mères, bande de fils de pute. Voilà. Ouais. On fait pas d'univers. Exactement. D'où vous vient l'inspiration pour un mix? La rue. Le quotidien. Le quotidien, tu connais à London, ça tuait des gens, ça faisait des attaques à l'acide, on le revendique dans nos sons, tu connais. Même maintenant c'est... Tu connais, c'est jette des gens des poules. On partage notre savoir-faire. J'ai une histoire, j'ai un background. Tu connais. Et du coup, pourquoi la drill? Parce que c'est l'essence même de la rue, la violence. On aime bien, on est là, on dit les choses comme elles sont. On montre qu'on est là, on est présent. C'est le meilleur moyen de s'exprimer violemment dans un... En fait, la drill, tu vois, à la base des bases, c'est de la trappe, tu vois. Le mouvement drill, c'est un truc, c'est... Comment dire? C'est à la base, c'est une instru trap, et tu parles de la rue, tu parles des kills que t'as fait, tu parles des hops, les hops que t'as. La drill, c'est pas des instrus. La drill, c'est les paroles, c'est que les paroles. Si je pose sur une instru trap et je dis que je vais baiser la mère à Carlos, je vais baiser la mère à tout ce que tu veux, tous les rappeurs que tu veux, c'est un son drill. Par contre, si tu poses une instru drill pour dire à ta daronne que tu l'aimes, c'est pas la drill que tu fais, t'es une chanteuse. T'es un slammer. Que la violence. Que la putain de violence. Ouais, on n'est pas là pour faire danser vos sœurs, pour choquer vos pères. La drill, c'est la violence, c'est tout, y'a rien. Et ça vient de chez nous c'est la violence. Bah la drill, c'est nous. Comme on t'a dit, la drill, c'est nous. La drill, c'est notre vie. La drill, c'est notre background, c'est notre story. La drill, c'est tout. Et on collabore avec la drill depuis toujours. Et la drill, elle nous aide à sortir nos organes, nos poumons, tous nos textes, tous nos paroles, tous nos bros qui sont morts, tous les hops qui sont morts, tous les scores qu'on a fait. C'est dans la drill. C'est notre histoire. Tu veux savoir tout, tu veux savoir qui j'ai tué. Tu écoutes un de mes sons, tu vas savoir qui j'ai tué. On fume des sons de mon ami. Losco is dead, plus en vie. Alcet is dead, plus en vie. S.A. is dead, bientôt sur ma vie. Diamond, je vais t'enlever la vie. Ton vieux cadavre sous ma caisse. Les cops, je les brûle à l'acide. J'ai rien à perdre, couteau sous ma veste.
Les boys qui nous regardent, allez streamer l'essence, sinon il y aura des conséquences. Streamer. Vous avez une petite anecdote à nous raconter ou pas du tout? Ouais, l'argot, vas-y, la tête de ma mère, vas-y, boy. Vas-y, là, je parle caméra, face caméra, là. Mais vous connaissez, quartier Brixton, on représente Kennington que des salopes. Les petits bis CSA, des HS, là. Devant un lycée, attaque à l'acide, on les a chopés. Malheureusement, l'acide, elle a touché deux des lycéens. Bon, je vous rassure, hein, j'étais jugé pour ça, mais... Enfin, pas toute l'histoire, mais t'as capté. Mais l'acide qui touche le visage de deux lycéens, plus ceux de BCSA, on les a chopés. Les deux, ils sont morts. On a buté les deux. Je peux même dire le blast de mes bros avec qui on les a tués, je les ai butés avec KK et Mads. Ils représentent la Ghostface, représentent 410. On a fumé des HS. Je vous dis que face caméra, j'ai buté des mecs, tu connais. Fuck les HS. Voilà, fuck les HS. Que des salopes, les Harlem. Et le son que vous préférez parmi tous les sons lesquels vous avez sortis? Lunatique, moi, personnellement, lunatique. C'est 62, t'écroules, vise le but. 340, c'est cool, ça sent but. J'écoule la cam, c'est cool, ça sent. Tes morceaux, ça coûte couteau. Pourquoi tu me fais le saïen? Va rejoindre tous tes potes. Je m'en fous de ta vie, je suis sous la 410. Y'a rien qui nous arrête, tu peux payer la note. Personnellement, c'est la base de la base. Le tout premier son qui a été sorti à LS, 410, le 01. 410 street, que des hommes pas de bâton. Qui c'est qui veut test, ramène-le-moi, sale bâton. On n'est pas violent, nous tend pas le bâton. Je peux t'enlever la vie, assis, c'est pas tard. Des cadavres à terre, c'est les 4 tombes. J'ai le camtar, c'est pas comme Tom. Et ce matin, j'ai les symptômes. J'tire que 4 taf comme les 5 chongs. J'ai que ça se tape, ok, ça plombe. Pour moi, ouais, c'est 410-01. Tous nos rappeurs sont bons, on a tous un style différent. Mais pour moi, ça reste 410-01. Le premier son qu'on a sorti, R4, à ma gauche. La pépite, l'étoile montante des 410. Mais non, c'est tout le monde. On est tous bons, tu connais. Tous les sons sont bons à écouter. Voilà, mais streamez tout le monde, chacun son flow, tu préfères l'argot, t'écoutes l'argot, tu préfères Miser, t'écoutes le Miser, tu préfères Ice, t'écoutes Ice. Peu importe, t'écoutes qui tu veux, mais tu stream 410. Hier, vous avez sorti Ghostface. Demande à l'argot tout ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, négro, des crimes j'en ai commis. Je dois t'étale, y'a les 5 o'clock, ouverture du four, 6 o'clock. Et tous les soirs, je fous sa pote, je barre avec Fro dans la church. Comment vous pouvez nous vendre cette musique en complément? Vous donner l'envie d'écouter? Bah, je vais pas te mentir, c'est un feat avec Mats, comme je t'ai dit, Mats et moi, on a buté des HS, on a des trucs à raconter dans nos musiques, on le dit clairement. Dans la musique, tu connais, j'insulte tous les petites zoulettes de la ville, Flippa, Chopa, tout ce que tu veux, les rappeurs d'IDF Record, ils ont fermé leur label, que des salopes. Moi, je vais te dire un truc, t'as vu, la musique, on n'a pas besoin de la vendre. Elle est pas destinée à ça, notre musique, on s'en bat les couilles qu'on la vende ou qu'on la vende pas. Le but, c'est pas de faire de la maille avec. Le but c'est de provoquer, et après on agit ou on agit avant, tu connais. Exactement. Et c'est clairement, je menace tous mes ops, tous mes ennemis, je les menace dans mes sons. Et j'attends clairement qu'ils viennent me voir pour me dire, mec, je vais te répondre. Flippa, il m'a répondu, il a supprimé son son 2 heures après. Pourquoi? Parce que Flippa, je l'ai chopé, je l'ai stab. J'ai stab son pote, j'ai buté son pote devant lui. Moi, je fais des sons, c'est pas pour faire les chanteuses. Les mecs, les ladrilles latinos, je sais pas quoi, ils racontent leur vie de merde. Moi, c'est que les kills que je raconte dans ma musique, que des kills. Justement, par rapport à ça, vous avez pas peur des conséquences Les conséquences, on les assume. C'est clair, net, précis, les conséquences sont assumées. 410, c'est que des problèmes. Et les problèmes, on les règle. Y'a personne qui viendra nous faire chier par rapport à ça. Tous les mecs qu'on menace de mort, ils sont tous morts déjà, je te le dis direct. Donc y'aura aucune représailles, y'aura rien du tout. Et à quel âge vous avez commencé la musique à peu près? J'étais encore dans le ventre de ma mère, j'en écoutais. On est né là-dedans que tu l'écoutais. C'est notre vécu. On a vécu dans ça, très jeune. Voilà, les freestyles, ça commençait à 6 ans, dans la cour de récré. Avec une clope à la bouche. Donc pour vous, la musique, c'est une véritable passion. Voilà, c'est ça. Je dirais même que c'est une religion maintenant. Tu connais. C'est une religion, clairement. On a été bercé par le rap de nos grands refs. Force à AM, Lil Ras, Skengdo qui nous écoute de Londres sûrement. C'est eux qui nous ont appris la musique. On a commencé au studio avec eux. Et on finira au studio avec eux, tu connais. Et à quel âge on avance ensemble, 410. À quel âge vous avez sorti votre premier son à peu près, moyenne d'âge à peu près aussi? Je crois que je vais pas te mentir, 12 piges. Hein. Moi 15 piges. Dylan m'a donné la force, il m'a aidé à rentrer dans la ville, dans le domaine de la musique, et ça fait plaisir. Et vous écrivez chacun vos sons personnellement, ou vous faites aider, ou vous aidez les uns les autres, ou vraiment vous voulez raconter personnellement ce que vous vivez dans vos sons? Un son, c'est une histoire. La vie de quelqu'un, voilà. Ce qu'on raconte dans la rue, c'est notre histoire, c'est à nous. Vous avez des projets
genre je sais pas, des concerts, des choses à venir. Ouais, de fou, de fou. Bah t'as vu, on attendait la fin du code noir là, on va pas se mentir, ça nous a bloqué. Ça a bloqué un peu partout là, tous les lieux de rencontre, Unicorn, tout ça. Mais sinon ouais, des concerts, des showcases, tout ce que tu veux, voir l'ouverture d'un label, mais t'as vu, on en dit pas trop. Comme ils disent Kendo, juste avec un son, on a réussi à faire Mayday Record. Donc tu connais les conséquences, si on ouvre un label, c'est une bombe nucléaire. Et sinon, s'il y avait un dernier mot à dire, ce serait quoi? I see Opson as cop. Streamer le son. Exactement. Vive la 410. Et moi, un petit message à Flippa, ça pue de merde, fais gaffe, parce que j'ai des guns, mais t'as la chance, y'a du bullet drop. Mais je vais niquer ta grand-mère la pute. Eh, moi je vais pas vous mentir, le dernier mot, nous c'est les 410. Tous les rappeurs de la ville là qui font de la drill. Eh, venez prendre des cours chez nous, la vie de ma mère, on fait 20$ l'heure. Et on vous apprendra ce que c'est la vraie drill. Maintenant baisez vos mères, et maintenant niquez-vous, on va vous soulever sinon. Eh, c'était les 410 boys, les gars, on vous fait enculer. Si vous voulez des cours, comme il dit, 4 passez au bloc. Sinon, fermez vos putes de merde. Arrêtez tout, sinon arrêtez. Voilà, arrêtez. Vous puez la merde, vous puez la merde. Mentalité londonienne. Carlos, tu pues la merde. Je baise. Ça c'était pas cool. Kick down doors, think again you mug. Bow my kick down yours. My plug gives me the loudest bud. Chip that smell like yours. C4 bad that FB40, the force would be on tour. The fans on my back, I like that though. Vids were giving them more. Shit then crazy, mad up, get splashed bro, open your force. Switch inside, how many times? I swear down it was like 4. And it's any man across the road. Quiet down, you the one before's. Feds on my back, they know we're breaking the law. Man just love talk shit, get shot. Man's doing up goals in a pagan block. Girls love me and I love them not. Cause I ain't got time on my hands that's long. Crash don't dance, man, you must be lost. Man 2-2 step or I 1-2 bot. Can I get a 2-1 wings in a box? That's a 1-2 mil for a 2-2 dons. Trap hard, you ain't got no prof. Man cross the road when I diligent bot. OT put my hands on box. 95 cause I'm on my job.